pas le moment de paniquer. Quel enfer! Bon ben, au boulot! Et c'est parti. Fini. Ok, j'ai des trucs qui explosent. Sac plein.
Ouais. Ils arrivent. C'est fini? J'ai pas vu. Oh la vache. Ouh.
coup c'est vrai que le cul là. C'était double. Pourquoi ? J'ai l'impression que le boss promet.
attaquer. C'est fini. Merde. Non. C'est pas qu'ils explosent. Pas vu arriver.
maintenant. J'ai échappé belle. J'aime pas ça. Oh, je vais enfin pouvoir souffler. Je vais enfin pouvoir souffler. C'est le boss, ça. Ok, c'est pas le moment de paniquer. C'est fini. Bon bah, au boulot. Enfin, un peu de répit. Je repars en arrière. Mais...
J'aime pas ça. Ça pue le boss. On va aller voir la porte que j'ai laissée avant. Thank you.
buter cette putain de porte. Elle est là. Ok. Et on est parti pour ôter du sang. Bon. Et merde. Ouais, merde, comme il dit, ouais. Ah.
Ah mais un peu... Ah, mais... en plus. Bon, elle a pas l'air dure, mais c'est tous les mobs qui fait spawn qui ont l'air relou. Merde. Et allez. On va même à travers les murs. Quand il s'ouvre, il est vulnérable. Merde. Oh. Bordel.
seul truc. C'est le truc pour la peste, je mais voilà. Oh là là. Oh putain, c'est niqué à chaque fois. Thank you.
On a voulu faire une roulade. Ah, la putréfaction, c'est la merde. Ah, trop tôt. Allez, putain. Paris Cava pouvait coller un truc avec ça. Je pensais pas réussir à tuer cette chose. Clémentine est vraiment passée par ici. Probablement pas. Cette bestiole aurait pas été là sinon. Merci les cœurs de dragonite, hein, je le dis. Ok, c'est parti. What? What? C'est quoi ces merdes volantes? S'arrête.
Ok, c'est parti. Alors... Oh, ça fait mal. Ok, c'est pas le moment de paniquer. Oh, bien. C'était chaud. Ça m'attaque le truc. C'est mauvais.
Ok, c'est parti. Vas-y, hein. Ça m'a pris. Ouh, je l'ai échappé mal. Yeah. Ça explose pas. Ouais, juste pour ça. Juste un panier. Ça va prendre. Oh putain. Yeah.
Dehors un point de passage. Ça, j'ai pas de relique. Ok, je peux mettre des trucs sur le dracure de Dragonite. Ok, ok. Voilà, on n'a rien de toute façon. J'arrive. D'un coup. Putain, je l'ai pas vu. Putain de merde. Ça sent pas sympa. Combien ? Oh la vache ! Bon, au revoir, madame. La carte, elle va où ?
Et merde. Enfin un peu de répit. Qui me tire de ma flânerie éthérée ? Mouzard ! Quel genre de créature est-ce là ? Paxultek. Je peux partager mon chemin avec vous. Mais d'abord, je cherche la connaissance. Je souhaite comprendre la vérité de la nature présente en votre arc. Vous désirez répondre ? Alors je vous questionne. Répondez à ces questions, douce créature, afin que par la vérité, votre arc soit révélé et votre œil puisse s'ouvrir. Choisissez avec soin. Répondez avec votre cœur. Vous êtes à la tête du royaume, mais un groupe de rebelles prend les armes contre vous. Vous pourriez essayer de trouver un terrain d'entente, mais cela prolongerait le conflit et a de grandes chances d'échouer. Ou bien, vous pouvez décider d'écraser l'opposition, mettant immédiatement un terme aux affrontements. Parlementez-vous avec les rebelles, ou tentez-vous de préserver la paix ? Je vois. Le roi des Krells vient avec vous avec une requête. Un fruit gourmet vous capable de terrasser ses ennemis. En le lui donnant, vous mettrez un terme à une guerre qui a duré des années. Mais vous condamnerez quelqu'un à mort. Offrez-vous au roi le moyen de détruire ses ennemis ? Ou refusez-vous sa demande, au risque de déclencher une guerre ? Comme c'est amusant! Imaginez que vous êtes l'impératrice immortelle, mais que le secret de votre immortalité et celle de tous ceux qui vous ont juré allégeance a disparu. Le Taen est mort, et bientôt, tous les immortels redeviendront mortels. Si vous révélez ce fait, vous risquez de perdre toute votre puissance. Allez-vous dire la vérité à votre peuple, ou chercher une autre issue? Fascinant! Vous présidez au jugement d'un innocent. Ses ennemis ont kidnappé votre enfant et la tiennent en otage. Si vous condamnez l'accusé, ils libéreront votre fille. Prenez-vous la décision de vous parjurer ou d'exposer votre fille au danger ? Je vois vos méninges qui travaillent, douce créature. Votre fils est attaché sur les rails d'une mine, et il va certainement mourir si vous ne poussez pas le levier permettant de dévier le chariot qui va arriver. Cependant, il vous supplie de ne pas le faire, car sa fille, votre petite fille, est prisonnière sur l'autre voie. Choisissez-vous de sauver votre fils ou votre petite fille ? Ah, les bâtards. C'est un choix compliqué, là. Allez. Ce n'est pas tous les jours qu'une question détermine le cours de votre destin. Ou peut-être que si. Vous avez choisi votre voie, douce créature. Votre cœur est pur. Que la puissance de l'œil de la biche vous libère de votre prison de chair. Au cœur de chaque être se trouvent deux yeux. Même si nous voyons à travers les yeux, on a tous tendance à favoriser l'un ou l'autre. L'œil du ravageur est dynamique, ambitieux et ô combien affamé. Et pourtant, malgré toute sa puissance, sa vision est embrumée. L'œil du ravageur voit rarement au-delà de sa propre convoitise. Comme un animal chassant sa queue, il ne connaît pas le repos. L'œil de la biche ne voit que ce qu'il a en face de lui. Le don de la biche est subtil et évasif. C'est une présence mystérieuse à l'intérieur de soi, qui confère une puissance sans force, comme la biche elle-même,
que l'on ne peut chasser ni attraper. En répondant avec honnêteté, douce créature, vous me faites un clin d'œil et les dons de votre œil dominant s'ouvriront à vous. Voudriez-vous entendre une histoire? Elle parle de ceux qui voient comme vous. Permettez-moi de vous parler de Ramoril, l'enfant serviteur des Vaunt. Je le trouvais alors qu'il n'était encore qu'un bébé, gros et bruyant comme celui que femme peut l'être. Il ne se démarquait en rien, en vérité. Il grandit simplement. Et le grand bébé gémissant, rampant tranquille. Il servait sans un mot et sans une plainte. Personne ne connaissait son nom. Car si l'on remercie souvent celui qui nous prépare le repas ou le bain, qui a une pensée pour l'enfant qui se contente de nettoyer après? Quand les Krell arrivèrent, ils assiégèrent le temple. Personne ne pouvait s'échapper, ni même appeler à l'aide. Tout était perdu. L'œil de la biche s'ouvrit en Ramoril ce jour-là. Ce n'était pas un guerrier, et il n'avait jamais appris à se battre. Mais il s'empara du plus gros bouclier qu'il put trouver et ordonna aux autres de fuir après qu'il leur eut dégagé un chemin. Il poussa plus d'une douzaine de Krell jusqu'au rebord d'une falaise et les entraîna dans sa chute. Plus tard, ses maîtres vinrent me trouver pour en apprendre plus sur ce garçon que j'avais abandonné sur le pas de leur porte et qui les avait sauvés. Je leur peut-être contais de nombreuses histoires. Certaines étaient peut-être vraies. Il y a des sauts de parole par moment. Vous voudriez savoir sur moi, sur notre merveilleux monde. Donc je suis là. Hein. Vous vous tenez devant mes draps, esprit du monde naturel, feuille de la sève et de la rivière. Mes sœurs et moi sommes les illustres tisserandes de la beauté sauvage. Quand la montagne, le printemps et la grandeur de l'arbre majestueux vous coupe le souffle. C'est nous que vous devez remercier, douce créature. C'est là notre bénédiction. Un nombre incommensurable, mère sève et mère rivière, compte sur nous pour grandir et s'épanouir. Cela dit, nous ne communiquons pas souvent avec des créatures telles que vous. Plus maintenant, en tout cas. Surtout pas après ce qu'il est arrivé à Kaeula. Une tragédie, créature, d'une cruauté sans nom. Kaeula était fascinée par les mortels, votre vie et vos histoires. Contrairement à nous, elle n'a pas gardé son existence secrète. Et vous la vénériez, lui vouant vos courtes vies. Vous lui avez même construit une maison, un temple, comme vous l'appelez. C'est là que la racine l'a trouvée. Mais nous autres déités ne sommes pas facilement défaites, et elle n'a donc pas été tuée, même si cela aurait été sûrement préférable, car ce qu'il reste d'elle n'est plus la sœur que je connais. Cela étant, nos pensées restent joyeuses. Regretter ne revient qu'à gâcher votre vie pour une autre. Pourrions-nous parler d'autre chose? Le jour, une clairière d'émeraude et d'or, tapissé de mousse duveteuse. La nuit? Oh, douce créature! La nuit, ces arbres enchantent les âmes égarées et dispersent les créatures sombres. Ou tout du moins, c'était le cas avant cette ère d'extermination. Oh, comme je me languis de jouer à nouveau! Ces jours ne m'apportent que douleur et flétrissure. Tout cela a été une agréable distraction. Vous revoilà. Quelle joie. Tout cela a été une agréable distraction.
Salopard. Chance. Et c'est parti. Merde. Ça ferait d'oiseau de merde. C'était chaud. Mais non.
J'aime pas ça. L'endurance descend maintenant. Ah putain. D'où ils sortent ces oiseaux de merde? Il était temps que ça s'arrête. Truc à grenier là. Ces conneries, hein, courir partout là, je sais même plus dans quel sens j'étais venu. Pas par là. Pas par là. C'est pas par là non plus.
Super, ça faisait longtemps. Ouh, c'est fini. C'est comme toute la flore et la faune. Je suis sûr qu'il y a personne qui va venir me faire chier. J'ai un coup fatal, augmente les dégâts corps à corps et à distance de 4 personnes dans 15 secondes, cumulé 3 fois. Ok. Arrive. Alors, on lui avec ses pics là. Les voilà. Ouh.
super, ça fait longtemps. Aussi, je croyais que j'avais tué la mère et ça tuait tout le monde, mais non. Ouf. Ah, saloperie. Quel enfer! Enfer, comme tu dis, ouais. Va pouvoir souffler. Oh.
enfin un peu de répit. Alors, sauter d'ici. Ah oh, putain, quelle porte faire. Il y a putain, trois deux portes. On va aller voir là-bas. Trois portes. Je comprends pas pourquoi. Zone inexplorée. Objectif. Ça, c'est la porte que je peux pas ouvrir. Bah, ouais, hein, zone inexplorée. Hein. Il y aura un objectif à la fin. Hein. Il était temps que ça s'arrête.
au boulot. Je sais pas à quoi ça sert. Mais bon, on les éclate, on verra bien. Que ce soit mort que vivant. Fait tant que ça s'arrête. Ok, c'est parti. Augmente la quantité de pièces récupérées, trouvées de 50% ramassées automatiquement. Ah ouais! J'ai plus besoin de ramasser, mais non, ça ramasse tout seul. C'est pratique, mais bon, je préférerais un truc qui donne des buffs plutôt que de ramasser tout seul. C'est l'amulette du feignant. Putain, je suis mauvais là. Oh putain. Oh mais... Ces frappes... Putain, il fait des frappes orbitales. Oh, c'est fini. Oh, je peux regarder maintenant. C'était chaud. C'était chaud le truc. Il y a des kilomètres, qu'est-ce qu'il raconte. Donc là, par là, ok.
c'est parti. Tu sors lui. J'aime pas ça. Pas les munitions tout seul. Oh, j'ai pas les matériaux en fait, le collier là. Ah, bien d'ici. Pourquoi c'est rouge? Et allez. STP. Qui vient là pour moi. J'ai échappé mal. Thank you.
Ok, c'est parti. Il a donné naissance à cette merde, hein. Allez, allez. Ouf, ça quand j'ai plus de balles. J'échappais mal. Bon bah, au boulot. Bon bah, au boulot. Enfin, un peu de répit. Boss.
Ce coin que j'ai pas fait. Ah, j'irais bien. Je retournerais bien là-bas. Merde, j'ai loupé le chemin. Tout droit à droite.
Ouais. Oh, je vais enfin pouvoir souffler. On va tomber dans le vide. Ok, c'est parti. Oh putain, je peux pas venir. Oh, oh, oh. C'est fini. Ouf. Longtemps. En haut, des trucs en bas. Ça part dans tous les sens là.
Ouh. On roule là-dedans le vide. C'est tout un labyrinthe, c'est un truc de fou. Par l'erreur qu'a failli me coûter la vie. J'ai pas accès. Trop ça.
Ouf. Non, non. Je peux sauter jusque là. Mais ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Mieux il y a des caisses. Je n'ai rien tentative, mais je pense pas que je puisse monter là-haut, par ici. C'est pas possible. Stop, 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 stop. Oh non. Mais c'est pas vrai. T'es sérieux? Sérieusement? La pire mort. Ouais, mon cadavre. Et là, il y a une caisse. Bah, c'est quoi? Je vais manger et on reviendra après cette mort épique.